Au nom du Père, du Fils, Jésus-Christ, ressuscité et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen. 17 octobre 2020. Merci pour cette journée qui commence. Une journée où je vais avec Michel à Pellevoisin pour la première fois, où il y a eu donc des apparitions mariales, et c'est juste à côté de où j'habite désormais. La paroisse de Pellevoisin fait partie de la paroisse à laquelle appartient l'église où je vais à la messe le dimanche. Donc Marie, je vous salue. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Amen. Je remets cette journée entre tes mains. Apporte-la au plus haut des cieux, par ton Fils Jésus-Christ, à ton Fils Jésus-Christ. Ô Père céleste, Tout-Puissant, merci Marie, par avance, je t'aime Marie, cœur immaculé de Marie, j'ai confiance en toi, cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi, Jésus, j'ai confiance en toi. Aujourd'hui, l'ange du jour est ou ma belle Marie, ou ma belle ange du jour, ça fait penser aussi à la déesse Uma dans l'hindouisme, la dame des montagnes, la lumière blanche. Ou ma belle, ou ma belle, ou ma belle. Ou ma belle. Et nous sommes donc un jour de nouvelle lune. Je commence à réciter des noms de Lord Rama, septième incarnation du dieu Vishnu. Il est dit qu'il est né pour enlever toutes les forces du mal de l'âge dans lequel il est né. Il a un arc et une flèche qui indiquent qu'il est prêt à détruire le mal. Il est aussi appelé Sri Rama, Ram Parivar. Il fait partie, il correspond aussi à un exemple de famille avec sa femme Sita, son frère Lakshmani et son dévot Hanuman, le roi des singes, qui s'assoit à ses pieds, qui est assis à ses pieds. Il est aussi connu pour être le meilleur des hommes et la suprême personnalité de Dieu. Il est Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et Vishnu apparaîtra ensuite sous la forme de Krishna après être apparu sous la forme de Rama. Il est vu comme l'homme idéal et le héros par excellence. Il est connu par les noms de Raghava, Kaushalendra, Rama Chandra, Rama Bhadra, Ram, Ram Ram. Voici des noms de Rama, de Lord Rama. Om Shri Ramaya Namaha. Om Shri Ramaya Nama, celui qui donne le bonheur. Om Rama Badraya Namaha, celui qui est auspicieux. Om Rama Badraya Namaha. Om Rama Chandraya Namaha, celui qui est comme la lune. Om Shashvataya Namaha, celui qui dure toujours, qui dure à jamais. Om Shashvataya Namaha. Om Rajivalokshanaya Namaha, celui aux yeux de lotus. Om Shrimate Namaha, celui qui est avec la déesse de la fortune Lakshmi. Om Rajandraya Namaha, le roi des rois. Om Raghum Pungavaya Namaha, celui de la dynastie Raghu. Om Janaki Valabaya Namaha, celui qui règne sur Janaki. Om Jaitraya Namaha, le triomphant. Om Jatraya Namaha, le triomphant. Om Jita Mitraya Namaha. Om Janardanaya Namaha, le refuge du peuple. Om Vishvamitra Priyaya Namaha, le bien-aimé du sage Vishvamitra. Om Dantaya Namaha, l'imperturbable.
Om Sharanatraya Tatparaya Namaha, celui qui est déterminé à protéger ses dévots. Om Bali Pramatanaya Namaha, celui qui détruit Bali. Om Vagmine Namaha, celui qui parle. Om Sita Avashe Namaha, celui qui dit la vérité. Om Sitaya Vikramaya Namaha, celui qui est réellement plein de pouvoir. Om Sitaya Vrataya Namaha, celui au vœu plein de vérité, au désir plein de vérité. Om Vatradaraya Namaha, Om Sada Anuma Dashitraya Namaha, celui qui est toujours servi par Hanuman. Je ne vais pas faire les 108 noms. Je vais passer aux archanges. Le premier jour de la nouvelle lune, nous sommes le premier jour de la nouvelle lune. Elle était hier à 21h32, donc il ne s'est pas passé 24 heures encore. Le premier jour de la nouvelle lune, il est merveilleux d'invoquer les trois seigneurs, les archanges Métatron, Raziel et Tzadkiel. J'ajoute Tzadkiel et Maître Saint-Germain, rayon violet. Aujourd'hui, nous sommes un samedi, rayon violet de transformation divine, de transmutation des énergies, de purification cellulaire, d'alchimie, avec l'aide aussi de Merlin et de l'Édiamétiste, et de l'archange Métatron et de l'ange Oumabel, Oumabel ange du jour, et archange Métatron, recteur du cœur des anges archanges. Archange Métatron, prince de tous les anges, prince Métatron qui gouverne les anges séraphins de Kéter, ange Métatron qui forme avec les séraphins la sublime sphère de la lumière et du feu primordial. Rends puissante et étincelante la flamme de mon inquiétude spirituelle pour que mon désir ardent d'avancer dans la recherche de la vérité ne s'éteigne jamais, car c'est toi, c'est vous qui avez allumé en moi cet incendie. Ange Métatron, que ton feu divin puisse faire en sorte que je ne reste jamais indifférent à ce qui arrive autour de moi. Merci, maintenez vif le feu, ange Métatron et Séraphin, dehors mes idées, dans mes projets, dans mon désir de rendre service, d'être utile à mes proches. Brûlez, Séraphin de Kéter, toutes les scories, toutes les impuretés que mes désirs attirent, afin que, dans mes sentiments, n'y survivre rien d'autre. Que le désir ardent de m'écarter de ce qui est pervers, médiocre, retors, mais aussi donne à mon cœur, à mon corps, prince du monde, la chaleur nécessaire pour une bonne santé, car je veux être utile dans le travail humain que tu m'as assigné, prince Métatron, Séraphin de Kéter, Seigneur et Maître du domaine infini du feu céleste. Depuis mon niveau humain, je vous envoie mes salutations remplies d'amour. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, reine des anges. Amen. Invocation à l'ange prince Raziel, qui gouverne des anges chérubins de Hokma Uranus. Au nord, les montagnes abruptes du Capricorne. Au sud, les verdoyantes collines où Hercule marche à la poursuite des mille têtes de l'hydre de Lerne. À l'ouest, le jardin des Hespérides. Et à l'est, les terres où la lumière prend naissance éternellement. Et c'est dans cette croisée de chemin que Hokma se trouve, que Raziel réside. Et c'est aussi le lieu que j'ai choisi pour vivre. Et moi, Seigneur Raziel, à trouver le chemin qui conduit au chérubin, entre la froideur de la vérité révélée et les courants chauds des sentiments exaltés, entre les pommes d'or des expériences vécues et le flot des lumières divines, car c'est là que ma demeure se trouve. Et moi, Seigneur Raziel, à trouver mon chemin, car je veux vivre avec l'amour et avec la connaissance dans cette grande maison céleste et terrestre où tout le monde a sa place dans une nouvelle dignité humaine. Aide-moi, Seigneur Prince Raziel, à trouver le chemin qui conduit au nouveau monde que je dois forger, bâtir, édifier. Aide-moi, toi et tes chérubins, à vivre dans la lumière. Merci, merci, merci au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, en ce jour de nouvelle lune, invocation, amen, à l'ange Prince Tzadkiel, qui gouverne les anges trônes de Bina Saturne. Tzadkiel, veilleur du trône, sur lequel siège l'esprit souverain, qui est la mère du monde, Mara, océan,
au sein duquel tout trouve une forme. Divin Saturne cosmique, dans ce jour que Tsavkiel et ses trônes ont constitué et structuré, nous venons à toi pour te rendre grâce et demander tes bénédictions. Permets-moi, Seigneur Tsavkiel, d'accomplir le dessein de mon existence avec la patience qui naît de l'acceptation de mon karma, car j'ai bien compris que si ta loi est dure, c'est parce qu'avec notre façon humaine d'agir, nous avons rendu nécessaire cette sévérité. Aide-nous, prince Tsavkiel, à être fidèle à tes principes pour que le futur chemin que tu dois nous tracer soit facile, agréable et propice aux réalisations spirituelles, morales et matérielles. Inspire nos hommes d'État, Seigneur, pour qu'ils soient justes dans leurs lois. Ne permets pas que des désirs de jouissance excessifs conduisent les hommes vers une excessive tolérance qui apporterait plus tard une sévérité tout autant excessive. Fais, Seigneur, que dans le monde, la vie coule par les sillons que tu as tracés, que tu as formés pour que les différents éléments ne débordent pas du lit, du moule que tu leur as assigné, que le feu s'abstienne de dévorer les forêts et les maisons, que l'eau n'inonde plus les villes, que l'air sous sa forme de vent violent ne détruise plus vie et récolte, que la terre qui doit obéir à tes commandements soit fidèle et équilibrée, porteuse de pouvoir spirituel. Merci, merci, fais de nous, Seigneur, les gardiens de tes normes, les exécuteurs de tes lois, les constructeurs de ton univers harmonieux, ceux par qui tout ce qui a été créé puisse subsister. Merci, merci, au nom du Père, du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère. Ainsi soit-il. Amen. Je vais refaire donc ces trois prières aux archanges Métatron, Raziel et Tsavkiel en ce premier jour de la nouvelle lune. Archange Métatron, prince de tous les anges, prince Métatron qui gouverne les anges séraphins de Kéter, avec un bonjour à Yéliel et à Kaïa, mes anges. À noter aussi que j'ai eu un changement de guide ce matin. J'ai entendu au réveil, en fait, un guide qui disait au revoir, et lorsque je prenais un peu d'eau, une fois levé, j'ai entendu un autre qui arrivait. Mais bienvenue à ce nouveau guide et merci à cet ancien guide. Ange Métatron, prince de tous les anges, prince Métatron qui gouverne les anges séraphins de Kéter, Yéliel, mon ange gardien, Akaïa, mon ange émotionnel, font partie de Kéter, prince Métatron qui gouverne les anges séraphins de Kéter, ange Métatron qui forme avec les séraphins la sublime sphère de la lumière et du feu primordial, rends puissante, s'il te plaît, et étincelante la flamme de mon inquiétude spirituelle pour que mon désir ardent d'avancer dans la recherche de la vérité ne s'éteigne jamais, car c'est toi, c'est vous qui avez allumé en moi cet incendie. Ange Métatron, que ton feu divin puisse faire en sorte que je ne reste jamais indifférent à ceux qui arrivent autour de moi. Maintenez vif le feu, ange Métatron et séraphin, dans mes idées, dans mes projets, dans mon désir de rendre service, d'être utile à mes proches. Brûlez, séraphin de Kéter, toutes les scories, toutes les impuretés que mes désirs attirent, afin que dans mes sentiments n'y survive rien d'autre que le désir ardent de m'écarter de ce qui est pervers, médiocre, retors, mais aussi, s'il te plaît, donne à mon corps, prince du monde, la chaleur nécessaire pour une bonne santé et pour la bonne santé de mes chats et tout autour de moi, car je veux être utile dans le travail humain que tu m'as assigné, prince Métatron, séraphin de Kéter, seigneur et maître du domaine infini du feu céleste depuis mon niveau humain, je vous envoie mes salutations remplies d'amour. Au nom du Père Céleste, puissant, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, reine des anges, merci, 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 amen, alléluia. Gratitude, invocation à l'ange prince Raziel, 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 qui gouverne les anges chérubins de Hokma, Uranus, mon ange spirituel, Mébaël, est un des chérubins, bonjour à toi, Mébaël. Bienvenue avec cette prière, mon ange gardien, prie pour moi, prie avec moi. Invocation à l'ange prince Raziel qui gouverne les anges chérubins de Hokma, Uranus. Au nord, les montagnes abruptes du Capricorne. Au sud, les verdoyantes collines où Hercule marche à la poursuite des mille têtes de l'hydre de Lerne. À l'ouest, le jardin des Hespérides. Et à l'est, les terres où la lumière prend naissance éternellement. Et c'est dans cette croisée deux chemins que Hokma se trouve, que Raziel réside, et c'est aussi le lieu que j'ai choisi pour vivre. Aide-moi, s'il te plaît, Seigneur Raziel, à trouver le chemin qui conduit au chérubin, entre la froideur de la vérité révélée et les courants chauds des sentiments exaltés, entre les pommes d'or des expériences vécues et le flot des lumières divines, car c'est là que ma demeure se trouve. Aide-moi, Seigneur Raziel, s'il te plaît, à trouver mon chemin, car je veux vivre avec l'amour à
avec la connaissance dans cette grande maison céleste et terrestre où tout le monde a sa place dans une nouvelle dignité humaine. Aide-moi, Seigneur Prince Raziel, à trouver le chemin qui conduit au nouveau monde que je dois forger, bâtir, édifier. Aide-moi, toi et tes chérubins, à vivre dans la lumière. Merci au nom du Père, du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie, ma mère, reine des anges. Ainsi soit-il. Amen. Gratitude. Invocation à l'ange prince Tzafkiel qui gouverne les anges trônes de Bina Saturne. Tzafkiel, 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 veilleur du trône sur lequel siège l'esprit souverain qui est la mère du monde, Mara, océan au sein duquel tout trouve une forme. Divin Saturne cosmique, dans ce jour que Tzafkiel et ses trônes ont constitué et structuré, nous venons à toi pour te rendre grâce et demander tes bénédictions. Permets-moi, Seigneur, d'accomplir le dessein de mon existence avec la patience qui naît de l'acceptation de mon karma, car j'ai bien compris que si ta loi est dure, c'est parce qu'avec notre façon humaine d'agir, nous avons rendu nécessaire cette sévérité. Aide-nous, Prince Tzafkiel, à être fidèle à tes principes pour que le futur chemin que tu dois nous tracer soit facile, agréable et propice aux réalisations spirituelles, morales et matérielles. Inspire nos hommes d'État, s'il te plaît, Seigneur, pour qu'ils soient justes dans leurs lois. Ne permet pas que des désirs de jouissance excessifs conduisent les hommes vers une excessive tolérance qui apporterait plus tard une sévérité tout autant excessive. Fais, Seigneur, que dans le monde, la vie coule par les sillons que tu as tracés, que tu as formés, pour que les différents éléments ne débordent pas du lit, du moule que tu leur as assigné. Que le feu s'abstienne de dévorer les forêts et les maisons, que l'eau n'inonde plus les villes, que l'air sous sa forme de vent violent ne détruise plus vie et récolte, que la terre qui doit obéir à tes commandements soit fidèle et équilibrée, porteuse de pouvoir spirituel. Fais de nous, Seigneur, les gardiens de tes normes, les exécuteurs de tes lois, les constructeurs de ton univers harmonieux, ceux par qui tout ce qui a été créé puisse subsister. Archange Métatron, prince de tous les anges, prince Métatron, qui gouverne les anges séraphins de Kéter, ange Métatron qui forme avec les séraphins la sublime sphère de la lumière et du feu primordial. Rends, s'il te plaît, puissante et étincelante la flamme de mon inquiétude spirituelle pour que mon désir ardent d'avancer dans la recherche de la vérité ne s'éteigne jamais, car c'est toi, c'est vous qui avez allumé en moi cet incendie. Et merci de cela, ange Métatron, que ton feu divin puisse faire en sorte que je ne reste jamais indifférent à ce qui arrive autour de moi. Maintenez vif le feu, ange Métatron et Séraphin, dans mes idées, dans mes projets, dans mon désir de rendre service, d'être utile à mes proches. Brûlez, s'il vous plaît, Séraphin de Kéter, toutes les scories, toutes les impuretés en ce jour de nouvelle lune que mes désirs attirent, afin que dans mes sentiments n'y survive rien d'autre que le désir ardent de m'écarter de ce qui est pervers, médiocre, retors, mais aussi donne à mon corps, prince du monde, la chaleur nécessaire pour une bonne santé, ainsi que une bonne santé pour chacun de mes chats et tous les êtres autour de moi. Je veux être utile dans le travail humain que tu m'as assigné, prince Métatron, Séraphin de Kéter, Seigneur et Maître du domaine infini du feu céleste, depuis mon niveau humain, je vous envoie mes salutations remplies d'amour. Merci, merci, merci au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Par les mains de Marie, ma mère, reine des anges, ainsi soit-il. Amen, alléluia. Invocation à l'ange prince Raziel, 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 qui gouverne les anges chérubins de Hokma, Uranus. Au nord, les montagnes abruptes du Capricorne. Au sud, les verdoyantes collines où Hercule marche. À la poursuite des mille tête de l'hydre de Lerne. À l'ouest, le jardin des Hespérides, et à l'est, les terres où la lumière prend naissance éternellement. Et c'est dans cette croisée de chemin que Hokma se trouve, que Raziel réside, et c'est aussi le lieu que j'ai choisi pour vivre. Aide-moi, s'il te plaît, Seigneur Raziel, à trouver le chemin qui conduit au chérubin. Entre la froideur de la vérité révélée et les courants chauds des sentiments exaltés, entre les pommes d'or des expériences vécues et le flot des lumières divines, car c'est là que ma demeure se trouve. Aide-moi, s'il te plaît, Seigneur Raziel, à trouver mon chemin, car je veux vivre avec l'amour, avec la connaissance, dans cette grande maison céleste et terrestre où tout le monde a sa place, dans une nouvelle dignité humaine. Aide-moi, Seigneur Prince Raziel, à trouver le chemin qui conduit au nouveau monde, que je dois forger, bâtir, édifier.
Aide-moi, toi et tes chérubins, à vivre dans la lumière. Merci au nom du Père, du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Seigneur Raziel, par les mains de Marie, ma mère, reine des anges. Amen, amen, amen. Alléluia. Invocation à l'ange prince Tzafkiel, qui gouverne les anges, trône de Bina Saturne, Tzafkiel, veilleur du trône sur lequel siège l'esprit souverain qui est la mère du monde, Mara, océan au sein duquel tout trouve sa forme, divin Saturne cosmique dans ce jour que Tzafkiel et ses trônes ont constitué et structuré. Nous venons à toi pour te rendre grâce et demander tes bénédictions. Permets-moi, Seigneur, Tzafkiel, d'accomplir le dessein de mon existence avec la patience qui naît de l'acceptation de mon karma, car j'ai bien compris que si ta loi est dure, c'est parce qu'avec notre façon humaine d'agir, nous avons rendu nécessaire cette sévérité. Aide-nous, prince Tzafkiel, à être fidèle à tes principes pour que le futur chemin que tu dois nous tracer soit facile, agréable et propice aux réalisations spirituelles, morales et matérielles. Inspire, s'il te plaît, nos hommes d'État, Seigneur, Tzafkiel, pour qu'ils soient justes dans leurs lois. Ne permets pas que des désirs de jouissance excessifs conduisent les hommes vers une excessive tolérance qui apporterait plus tard une sévérité tout autant excessive. Fais, Seigneur, que dans le monde, la vie coule par les sillons que tu as tracés, que tu as formés, pour que les différents éléments ne débordent pas du lit, du moule que tu leur as assigné. Que le feu s'abstienne de dévorer les forêts et les maisons, que l'eau n'inonde plus les villes, que l'air sous sa forme de vent violent ne détruise plus vie et récolte. Que la terre qui doit obéir à tes commandements soit fidèle et équilibrée. Porteuse de pouvoir spirituel, fais de nous, Seigneur, les gardiens de tes normes, les exécuteurs de tes lois, les constructeurs de ton univers harmonieux, ceux par qui tout ce qui a été créé, puisse subsister. Merci au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Marie, Reine des anges, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen. L'archange Métatron, volonté du Père, Métatron, volonté du Père. Archange Raziel, puissance de l'amour, du savoir. Archange Tzafkiel. Archange Tzafkiel, puissance de la pensée concrète, Archange Métatron, volonté du Père. Archange Raziel, puissance de l'amour, du savoir. Archange Tzafkiel, puissance de la pensée concrète. Merci à vous. Amen, 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 alléluia. Ange du jour, donc, ou ma belle, ange du jour, ou ma belle, prière de l'ange, ou ma belle. Je suis la parole de Dieu, je suis le Verbe créateur, je suis l'esprit qui incarne la matière, je suis la force du Verbe qui vous permet d'être le chemin, je suis le canal de lumière qui vous guide vers lui. Merci, 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 ou ma belle. Je suis l'intelligence du Verbe qui définit et qui construit. Je suis la droiture de celui qui sait. Je suis le maître qui enseigne et qui guérit. Merci, merci, merci. Je suis celui qui remet dans le chemin. Je suis l'intelligence cosmique qui fait et qui défait. Je suis la douceur et la rigueur du Père. Je suis la paix de sa présence. Je suis l'énergie de celui dont rien ne peut être dit, qui trouve son chemin là où cela est juste, là où cela est bon. Je suis la parole détachée. Je suis le regard de celui qui lit. Par moi, le mot existe et se fait chair. Ou ma belle, je t'accueille. Merci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen. Ange ou ma belle, je suis la parole de Dieu. Je suis le Verbe créateur. Je suis l'esprit qui incarne la matière. Je suis la force du Verbe qui vous permet d'être le chemin. Je suis le canal de lumière qui vous guide vers lui. Je suis l'intelligence du Verbe qui définit et qui construit. Je suis la droiture de celui qui sait. Je suis le maître qui enseigne et qui guérit. Je suis celui qui remet dans le chemin. Je suis l'intelligence cosmique qui fait et qui défait. Je suis la douceur et la rigueur du Père. Je suis la paix de sa présence. Je suis l'énergie de celui dont rien ne peut être dit, qui trouve son chemin là où cela est juste, là où cela est bon. Je suis la parole détachée, je suis le regard de celui qui dit.
Par moi, le mot existe et se fait chair. Ô ma belle, je t'accueille. Merci, ô ma belle, ô ma belle, ô ma belle, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Par les mains de Marie, ma mère, reine des anges, ainsi soit-il. Amen, ô ma belle. L'ange ô ma belle est l'ange qui canalise la parole de Dieu par son propre filtre et par son soleil intérieur. Il est l'ange de la communication vers Dieu et c'est lui qui amène l'énergie de la canalisation, le channeling. Il permet l'extériorisation des messages de Dieu et des plans de lumière. L'ange ô ma belle est l'ange des écrivains qui transmettent la lumière. Merci beaucoup, ô ma belle, ô ma belle, ô ma belle, ange des écrivains qui transmettent la lumière. Bénis-moi, entoure-moi, remplis-moi de ton essence, ô ma belle, ange des écrivains qui canalise la lumière, qui transmettent la lumière. Ils véhiculent l'énergie des anges qui ont à s'incarner et ils les aident à faire le passage. Ils véhiculent l'énergie des anges qui ont à s'incarner et ils les aident à faire le passage. Ils nous demandent de l'aide, de l'aider à trouver la force et le courage de changer de vibration et ainsi de retrouver avec joie le monde des hommes. L'ange ou ma belle est l'ange des écrivains qui transmettent la lumière. Ils véhiculent l'énergie des anges qui ont à s'incarner et ils les aident à faire le passage. Ils nous demandent de l'aider à trouver la force et le courage de changer de vibration et ainsi de retrouver avec joie le monde des hommes. Nous pouvons alors servir de transmetteurs de l'énergie de la lumière de Dieu, servant ainsi de pont entre leur plan d'être et notre plan d'existence. Nous leur servons d'accompagnateurs et de voies d'accès pour que chacun, chaque chose, chaque être puisse aller à un autre point et accéder à un autre état. Nous représentons alors tel le rayon du soleil, un rayon de lumière qui réchauffe, qui donne la lumière et indique le chemin. L'ange ou ma belle inspire ceux qui sont déjà très proches de Dieu et qui œuvrent pour la descente et la mise en place de ces énergies. Les êtres qui sont touchés par l'ange ou ma belle connaissent bien les énergies de lumière et les guides spirituels. Ils savent bien des choses et l'ange ou ma belle leur apprend à adoucir leur jugement et à accepter que d'autres puissent être moins éclairés. Il leur permet d'accepter ce rôle de transmetteur de la lumière et ainsi de pouvoir expliquer aux autres comment fonctionne l'univers qui les guide. L'ange ou ma belle aide à l'acquisition de l'humilité et de la compassion, au respect envers toute personne et toute chose par rapport à son degré d'évolution. Il parle des cieux et des outils qui permettent de les atteindre plus facilement. Il est très lié à la musique céleste, la musique des sphères et à l'harmonisation par la musique et la peinture. La peinture peut jouer avec la musique. L'ange ou ma belle nous fait découvrir en nous-mêmes le secret de la nature face au secret du ciel, des planètes et des étoiles, la correspondance qui existe entre les unes et les autres, et pourquoi l'un existe par rapport aux autres. Il amène la connaissance du macrocosme par le microcosme. Les voies du ciel nous sont ouvertes pour que nous puissions les faire connaître aux autres et partager ces cadeaux venant du ciel. Merci, ô ma belle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. L'ange ô ma belle nous fait découvrir en nous-mêmes le secret de la nature face au secret du ciel, des planètes et des étoiles, la correspondance qui existe entre les unes et les autres et pourquoi l'un existe par rapport aux autres. Il amène la connaissance du macrocosme par le microcosme, les voies du ciel nous sont ouvertes. Merci, merci pour que nous puissions les faire connaître aux autres et partager ces cadeaux venant du ciel. Ô ma belle, conserver, renouer et créer l'amitié, une conduite en accord avec la loi divine, l'orientation correcte des affections, retour à Dieu de ceux qui ont perdu le sens de la loi, connaissance en astrologie et en physique. Ô ma belle, Dieu au-dessus de toutes choses. Ô ma belle Dieu, au-dessus de toutes choses, bel ange, toi, par qui les astres parlent, toi qui favorises amour, amitié et bonheur chez tes protégés, écoute-moi et accorde-moi tes bienfaits, si cela est juste, merci. Archange Michael, même Yotkaf à l'Eflamel, même Yotkaf à l'Eflamel, même Yotkaf à l'Eflamel, Archange Michael, de ta lumière, éclaire-moi, illumine-moi, de tes ailes, protège-moi, protège-moi, moi mes chers, mon lieu d'habitation, mes projets, mes biens, mes amis, mes proches, mon entourage. De ton épée, défends-moi, défends-nous. Merci, très cher Archange Michael, au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Merci, merci, merci. Ô ma belle, Dieu au-dessus de toutes choses. Dieu au-dessus de toutes choses, ô ma belle, bel ange, toi, par qui les astres parlent, toi qui favorises amour, amitié et bonheur. Chez tes protégés, écoute-moi et accorde-moi tes bienfaits, si cela est juste. Merci. Ô ma belle, merci, merci, merci. Ô ma belle, amen. Dieu au-dessus de toutes choses, bel ange, toi qui favorises les astres. Toi, par qui les astres parlent, toi qui favorises amour, amitié et bonheur, chez tes protégés, écoute-moi et accorde-moi tes bienfaits si cela est juste. Merci, Archange Michael, merci au nom du Père, c'est tout puissant du Fils ressuscité Jésus-Christ
et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Alléluia, par les mains de Marie, ma mère. Merci pour cette journée qui commence. Le mot du jour de cette journée est prosélytisme. C'est ce que je fais en quelque sorte avec cet enregistrement, cet audio que je vais publier avant de partir. Appel voisin. Donc je rappelle, lieu d'apparition mariale en 1700. Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père, au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il, merci. Amen, Saint Joseph. Saint Augustin, priez pour moi, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour moi, priez pour nous. Saint Luc, donc que l'on fêtera demain, et une messe est demandée demain. Pour moi, a été demandé pour moi par... pour ma famille, défunt ou vivant, demandé par Myriam qu'elle soit bénie. Merci, merci, merci. Saint Matthieu, priez pour moi, priez pour nous. Saint Luc, priez pour moi, priez pour nous. Saint Jean, l'évangéliste, priez pour moi, priez pour nous. Sainte Faustine, priez pour moi, priez pour nous. Sainte Rita, priez pour moi, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour moi, priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila, priez pour moi, priez pour nous. Saint Louis-Élie Martin, priez pour moi, priez pour nous. Sainte Marthe, priez pour moi, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, priez pour moi, priez pour nous. Sainte Anne, priez pour moi, priez pour nous. Sainte Bernadette Soubirou, priez pour moi, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, priez pour moi, priez pour nous. Saint François d'Assise, priez pour moi, priez pour nous. Sainte Claire d'Assise, priez pour moi, priez pour nous. Saint Padre Pio, priez pour moi, priez pour nous. Saint Vincent de Paul, priez pour moi, priez pour nous. Saint Nazaire, priez pour moi, priez pour nous. Saint Goard, priez pour moi, priez pour nous. Saint Martin, priez pour moi, priez pour nous. Saint Benoît, priez pour moi, priez pour nous. Saint Dominique, priez pour moi, priez pour nous. Saint Roch, priez pour moi, priez pour nous. Saint Jude, priez pour moi, priez pour nous. Saint Louis, priez pour moi, priez pour nous. Saint Georges, priez pour moi, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, priez pour moi, priez pour nous. Sainte Rita, priez pour moi, priez pour nous. Ô ma belle, ô ma belle, ô ma belle, activité intense dans la création de décors, de locaux, de lieux, de théâtres où pourra commencer à s'instaurer avec succès le nouveau monde à venir. Ô ma belle, ô ma belle, ô ma belle, fais-moi connaître, Seigneur, ô ma belle, le sens de ma vie sur terre, attentif à ce que je fais, je suis comme toi, porteur d'une étincelle divine. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Ô ma belle, s'il te plaît, fais-moi connaître, Seigneur, ô ma belle, le sens de ma vie sur terre. Attentif à ce que je fais, je suis comme toi, porteur d'une étincelle divine, ô ma belle. Merci au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il, ô ma belle. Amen. Amen, amen, alléluia. Fais-moi connaître, Seigneur, ô ma belle, le sens de ma vie sur terre. Attentif à ce que je fais, je suis comme toi, porteur d'une étincelle divine. Ô ma belle, ô ma belle, ô ma belle, mon égo divin, éternel, au nom du Père, du Fils, ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen, ô ma belle, ô ma belle, ô ma belle, fais-moi connaître, s'il te plaît, Seigneur, ô ma belle, le sens de ma vie sur terre, attentif à ce que je fais, je suis comme toi, porteur d'une étincelle divine. Merci de cela, de cette étincelle divine, ô ma belle, ange et archange, Père céleste, tout-puissant, Jésus-Christ, Marie, je vous aime, les saints, Saint Joseph, merci, amen. Initiation ésotérique, vous serez appelé à réaliser une grande mission et les moyens vous seront offerts pour la réaliser. Autour de vous, de grandes opportunités apparaîtront dès que vous commencerez à agir. Merci, merci, merci. Ô ma belle, vous serez appelé à réaliser une grande mission et les moyens vous seront offerts pour la réaliser. Merci, merci, merci. Autour de vous, de grandes opportunités apparaîtront. Merci, merci, dès que vous commencerez à agir, aidez-moi à agir selon la volonté divine. Merci au nom du Père, du Fils, ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Travail, vous devriez commencer ces jours-ci une œuvre importante, lumineuse, qui vous offrirait la renommée. La lumière se fera en vous et grâce à cette clarté intérieure, vous réaliserez une œuvre transparente et belle. Cette œuvre doit avoir un caractère artistique, littéraire, scientifique, spirituel ou tout simplement humain. Santé l'ange protège contre toute souffrance, précisément ce qui concerne les évanouissements. Ô ma belle, ô ma belle, ô ma belle ange de l'amitié, regarde-moi avec ta douce et divine bienveillance.
Guide mes pas avec ta chaleureuse lumière, afin que je marche paisiblement vers une réussite morale et matérielle, fruit d'un travail utile à moi-même, à mes proches et amis, à l'œuvre divine du monde. Fais, Seigneur, ô ma belle, que l'amitié soit reine dans mon existence. Merci au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, avec l'aide de tous les anges et archanges, par le cœur immaculé de Marie, par le cœur sacré de Jésus, par l'union de ces deux cœurs, ainsi soit-il. Amen. Amen, amen, alléluia. Ô ma belle, ô ma belle, ô ma belle, ange de l'amitié, regarde-moi avec ta douce et divine bienveillance, guide mes pas avec ta chaleureuse lumière, afin que je marche paisiblement vers une réussite morale et matérielle, fruit d'un travail utile à moi-même, à mes proches et amis, à l'œuvre divine du monde. Fais, Seigneur, ô ma belle, s'il te plaît, que l'amitié soit reine dans mon existence. Par les mains de Marie, ma mère, reine des anges, par le cœur immaculé de Marie, ma mère, reine des anges, par le cœur sacré de Jésus, par l'union de ces deux cœurs. Merci au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Ô ma belle, ô ma belle, ô ma belle. L'amitié aussi avec chacun de mes chats. Une pensée pour ma chatte Ganesha. Je disais souvent ô ma belle à Ganesha. Ganesha a disparu un jour. Je t'aime, Ganesha. Ô ma belle, ange de l'amitié. Je vous aime tous, mes chats disparus et mes chats vivants. Je vous aime profondément. Ô ma belle, ange de l'amitié. Donnez-moi de l'amitié partout autour de moi, s'il vous plaît, les anges. Chérissez mes amitiés présentes. Rendez-les encore plus belles, plus vives, plus fructueuses, plus sages, plus divines. Ô ma belle, ô ma belle, ô ma belle ange de l'amitié, regarde-moi avec ta douce et divine bienveillance, s'il te plaît, guide mes pas avec ta chaleureuse lumière, afin que je marche paisiblement vers une réussite morale et matérielle, fruit d'un travail utile à moi-même, à mes proches et amis, à l'œuvre divine du monde. Fais, Seigneur, que l'amitié soit reine dans mon existence. Merci au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il par les mains de Marie, ma mère, reine des anges. Je te fais reine de mes amitiés, Marie. Argent, une période d'euphorie monétaire, d'enthousiasme financier est annoncée. Amour, la personne sera tentée de s'unir à un élément négatif qui s'offre à elle. Heureusement, les circonstances seront défavorables concernant ce faux amour. Elle reprendra de la hauteur pour monter sur le trône de la dignité où un grand amour l'attend, un grand amour heureux l'attend. Ô ma belle ange de l'amitié, regarde-moi avec ta douce et divine bienveillance. Guide mes pas, s'il te plaît, avec ta chaleureuse lumière afin que je marche paisiblement vers une réussite morale et matérielle, fruit d'un travail utile à moi-même, à mes proches et amis, à l'œuvre divine du monde. Fais, Seigneur. Ô ma belle, que l'amitié soit reine dans mon existence. Merci au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Ô ma belle, ô ma belle, ô ma belle. Avec l'ange, archange ou ma belle, par la prière, tout se mettra en place pour que la maladie soit, le malade soit libéré de la maladie, de la souffrance. Des solutions logiques et raisonnables lui seront offertes. La pensée de la personne captera la puissance divine envoyée par l'ange archange, cette puissance émanée de Michael archange, amène à l'extériorisation de la spiritualité ou de la pensée. C'est-à-dire mettre à la disposition du monde quelque chose qui fait partie du trésor intime de la personne, ses valeurs, la nourriture qui remplit son sac et qui doit la nourrir pendant le chemin. La personne sera celle qui dévoilera les secrets de la création, qui mettra à découvert les mystères de l'ego supérieur, c'est-à-dire les mystères de l'étincelle du feu divin dont nous sommes tous porteurs. La personne mangera et donnera à autrui la substance préparée pour le futur. Elle marchera à la tête de ses compagnons d'évolution. Elle sera leur guide et leur prophète. La personne peut sortir également de son état présent et agir en pleine santé pour devenir celle qui donne des leçons de philosophie ou de religion à des élèves qui l'écoutent attentivement ou parfois distraitement. Elle exercera dans des milieux inférieurs à ses capacités, dans des milieux où elle devra souvent s'efforcer à se faire comprendre. Prière à l'ange, ô ma belle, ô ma belle, ô ma belle ange, ô ma belle, tu donnes à ceux qui te prient ta grâce, tes bontés et ta lumière qu'est amour. Merci, ô ma belle ange, ô ma belle, tu donnes à ceux qui te prient ta grâce, tes bontés et ta lumière qui est amour. Merci, merci, afin que tes bien-aimés soient délivrés du mal, de la maladie, de la peur, de l'angoisse. Seigneur ou ma belle, je te prie de me donner la santé dans la pleine confiance que tu exauceras ma prière. Amen.
Ange ma belle, tu es ma force, c'est toi que je célébrerai dans cette vie et éternellement, car tu es bon, totalement bon. Je voudrais séjourner à l'abri de tes ailes pour que ta bonté veille sur moi et ainsi avancer vers un avenir heureux. C'est en toi que mon âme confie, c'est de toi que se confie, c'est en toi que mon âme se confie, c'est de toi que vient mon salut. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par la main de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Merci. Ange, ô ma belle, ô ma belle, ô ma belle, tu donnes à ceux qui te prient ta grâce qui est bonté et ta lumière qui est amour, afin que tes bien-aimés soient délivrés du mal, de la maladie, de la peur, de l'angoisse. Seigneur, ô ma belle, je te prie de me donner la santé, s'il te plaît, dans la pleine confiance que tu exauceras ma prière. Merci, merci, alléluia. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen, ô ma belle, amen, alléluia. Gratitude, ô ma belle. Ange, ô ma belle, tu es ma force, c'est toi que je célébrerai dans cette vie et éternellement, car tu es bon, totalement bon. Je voudrais séjourner à l'abri de tes ailes pour que ta bonté veille sur moi et aussi avancer vers un avenir heureux. C'est en toi que mon âme se confie, c'est de toi que vient mon salut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Ange, ma belle, ange, ma belle, ange, ma belle, tu donnes à ceux qui te prient ta grâce qui est bonté et ta lumière qui est amour, afin que tes bien-aimés soient délivrés du mal, de la maladie, de la peur, de l'angoisse. Seigneur, je te prie de me donner la santé et de la donner tout autour de moi, de faire disparaître tout autour de moi le mal, la maladie, la peur, l'angoisse. Donne-nous ta grâce qui est bonté, ta lumière qui est amour, dans la pleine confiance que tu exauceras ma prière. Merci, ô ma belle, au nom du Père, du Céleste Tout-Puissant, du Fils ressuscité, Jésus-Christ. J'ai confiance en toi, Jésus, et du Saint-Esprit. Par les mains de Marie, ma mère, reine des anges, ainsi soit-il, ô ma belle. Amen. Ange, ô ma belle, tu es ma force, c'est toi que je célébrerai dans cette vie et éternellement, car tu es bon, totalement bon. Je voudrais séjourner à l'abri de tes ailes pour que ta bonté veille sur moi et ainsi avancer vers un avenir heureux. C'est en toi que mon âme se confie, c'est de toi que vient mon salut. Merci. Amen, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Il est 9h09. Ange ou ma belle, tu donnes à ceux qui te prient ta grâce qui est bonté et ta lumière qui est amour, afin que tes bien-aimés soient délivrés du mal, de la maladie, de la peur, de l'angoisse. Seigneur ou ma belle, je te prie de me donner et de donner à tous autour de moi la santé dans la pleine confiance que tu exauceras ma prière. Au nom du Père, du Fils et du Jésus-Christ ressuscité et du Saint-Esprit par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen. Avec l'aide de tous les anges archanges, à 9h09, ainsi soit-il. Amen. Ange ou ma belle, tu es ma force, c'est toi que je célébrerai dans cette vie et éternellement, car tu es bon, totalement bon. Je voudrais séjourner à l'abri de tes ailes pour que ta bonté veille sur moi et ainsi avancer vers un avenir heureux. C'est en toi que mon âme se confie, c'est de toi que vient mon salut. Amen, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, par le cœur immaculé de Marie, par le cœur sacré de Jésus. En cette journée de nouvelle lune où je vais à Pellevoisin, où il y a eu des apparitions mariales. Merci, merci, merci. Amen, 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 alléluia. Mon bon ange, vous qui êtes le gardien de mon corps et de mon âme, je t'aime, mon frère, mon guide, mon cher compagnon, mon très sage conseiller et mon très fidèle ami, qu'il est consolant pour moi de penser que je suis confié aux soins d'un prince du ciel. Quel respect je vous dois, sachant que je suis toujours en votre présence. Je vous honore et je reconnais l'amour que vous me portez et j'ai confiance en votre appui puisque vous êtes toujours à mes côtés. Gardez-moi, éclairez-moi, aimez-moi, fortifiez-moi, gouvernez-moi. Ôtez les pierres de mon chemin, illuminez-moi, retenez-moi aussi dans les tentations et priez avec moi et pour moi. Faites enfin que je me sauve par votre aide. Ainsi je pourrai vous remercier éternellement au paradis. Ainsi soit-il. Amen. Je salue les anges gardiens de tous mes auditeurs et je prie chacun d'eux de préparer à mes paroles le cœur de celui dont il a la garde. Ô mon ange gardien, protège-moi de tes ailes, ô mon ami, illumine ma voix, dirige mes pas, et sois ma protection, ne serait-ce que pour aujourd'hui. Glorieux gardien de mon âme, toi qui brilles dans le beau ciel, comme une douce et pure flamme, près du trône de l'Éternel, tu descends pour moi sur la terre, et m'éclairant de ta splendeur, bel ange, tu deviens mon frère, mon ami, mon consolateur. Connaissant ma grande faiblesse, tu me diriges par la main, merci, et je te vois avec tendresse ôter la pierre du chemin.
Toujours ta douce voix m'invite à ne regarder que les cieux. Plus tu me vois humble et petit, et plus ton front est radieux. À toi le royaume et la gloire, les richesses du roi des rois. À moi l'humble hostie du ciboire, à moi le trésor de la croix. Avec la croix, avec l'hostie, avec ton céleste secours, j'attends en paix de l'autre vie les joies qui dureront toujours. Prière de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, merci, prie pour moi et pour nous, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et demain j'irai prendre l'hostie, donc demain à la messe, et peut-être on ne sait jamais, une messe appelle voisin aujourd'hui, et demain donc une messe sera donnée pour moi et ma famille, vivant et mort, à Saint-Nazaire, jour de la Saint-Luc. Saint-Luc, prie pour moi, prie pour nous, merci à tous. Ou ma belle, ou ma belle, ou ma belle, ou ma belle. Donc 9h09, c'est l'heure de l'introspection, de la plongée au cœur de soi. Libre à toi de chercher en toi et d'écouter ton intuition. Tu vas y découvrir de précieux messages. Puisse ton inspiration au cœur de ton être véritable. Tu es guidé, c'est magique, suis les signes. Cherche en toi ton univers, un univers magique s'offre à toi, celui de l'introspection, éclaire ton chemin pour illuminer ensuite celui des autres. Tu es prêt à entamer une nouvelle étape de ta quête. C'est le plus beau des voyages, alors continue de chercher tes clés et ouvre toutes les portes que tu croiseras. Aidez-moi à cela, les anges. Puise ton inspiration des profondeurs de ton être véritable, suis les signes et découvre ta propre magie. Sois patient, reste bien ancré, c'est le chemin le plus beau, celui de l'exploration de soi. Merci de bien m'ancrer, les anges, archanges. Ou ma belle, pouvoir obtenir affinité, amitié, analogie, extériorisée. Ou ma belle, affinité, amitié, analogie, extériorisée. Ou ma belle, affinité, amitié, analogie, extériorisée. Quelquefois, des graines oubliées que l'on avait semées dans les temps passés avec amour donnent soudain des fruits inattendus mais magnifiques. Apparaissent soudain des compagnons de la bonne route, des amis, des expériences élevées et utiles, et ils nous font savoir qu'ils nous aiment. C'est cette expérience que moi je te communique. Ou ma belle archange solaire, révérencieusement adorée, oui, j'ai déjà été touché par le flot puissant de ta grâce, de ton essence, et je te prie d'en placer encore et toujours dans mon fort intérieur. Donc je pense à mes amis passés, à mes amours même passés et mes amitiés. Je pense à François-Joseph, je verrai bien qui revient dans ma vie. Je pense aussi à Lamia qui était un amour-amitié. Merci de toutes ces amitiés. Quelquefois des graines oubliées que l'on avait semées dans les temps passés avec amour donnent soudain des fruits inattendus mais magnifiques. Apparaissent soudain des compagnons de la bonne route, des amis des expériences élevées et utiles. Ils nous font savoir qu'ils nous aiment. C'est cette expérience que moi je te communique, ô ma belle archange solaire, révérencieusement adorée. Oui, j'ai déjà été touché par le flot puissant de ta grâce, de ton essence, et je te prie d'en placer encore et toujours dans mon fort intérieur. L'ange, on n'a jamais tout fait, ni tout fini, ni tout reçu. Tout est perfectible, tout peut être amélioré. Il faut toujours que tu plaides coupable par rapport au passé, mais non coupable par rapport à l'avenir, car ton futur est brillant, lumineux, heureux. Une perfection perfectible et la création selon la Kabbale. Amitié, affinité, analogie extériorisée. Quelquefois des graines oubliées que l'on avait semées dans les temps passés avec amour donnent soudain des fruits inattendus mais magnifiques. Apparaissent soudain des compagnons de la bonne route, des amis, des expériences élevées et utiles. Et ils nous font savoir qu'ils nous aiment. C'est cette expérience que moi je te communique, ou ma belle archange solaire révérencieusement adorée. Oui, j'ai déjà été touché par le flot puissant de ta grâce, de ton essence, et je te prie d'en placer encore et toujours dans mon fort intérieur. Merci au nom du Père Céleste Tout-Puissant, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen, ou ma belle. L'ange, on n'a jamais tout fait, ni tout fini, ni tout reçu. Tout est perfectible, tout peut être amélioré. Il faut toujours que tu plaides coupable par rapport au passé, mais non coupable par rapport à l'avenir, car ton futur est brillant, lumineux, heureux. Merci que mon futur soit brillant, lumineux, heureux, ou ma belle, ou ma belle, ou ma belle. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Si j'étais imparfait, et j'ai dû l'être dans le passé. Merci d'effacer toutes mes erreurs. Dieu, Père, Céleste, Tout-Puissant, Jésus-Christ, Marie, Saint-Esprit, merci d'effacer tout ce que j'ai pu faire de travers pour que je commence une toute nouvelle vie de bonheur.
Réconciliation est le mot qui correspond à où, ma belle? Réconciliation, faire le premier pas est parfois difficile. Pourtant, je t'invite à avancer vers l'autre et lui tendre la main. Oublie tes rancœurs, ton ressentiment t'empêche de grandir. Va vers celui qui t'était cher et qui pourtant t'a blessé. Ça me fait penser à ma sœur. Que ta parole soit juste, sincère et empreinte d'amour. Dis-toi que tu en as la force nécessaire. Cette démarche n'est pas signe de soumission, mais bien de paix et d'harmonie. Attention toutefois, tu ne dois pas tout accepter ni renoncer à te respecter toi-même. Car la réconciliation est synonyme d'équilibre et d'harmonie. L'un ne doit pas être lésé au bénéfice de l'autre. Si chacun comprend que les différences peuvent aussi être signe de complémentarité, alors la paix régnera de nouveau dans vos cœurs. Je demande que, si je dois me réconcilier avec quelqu'un, c'est que j'ai un signe de cette personne aujourd'hui, demain ou lundi. Merci. Réconciliation, ma belle, plan physique, sourire, tendre la main, écrire une lettre sont les gestes messagers de ton âme. Ils expriment que tu as fait la paix avec toi-même et avec l'autre. Plan émotionnel, la véritable réconciliation est d'abord celle du cœur, faire la paix dans ton cœur, puis fais la paix dans ton cœur, puis avance vers l'autre de ton plein gré et en pleine conscience. Plan physique, sourire, tendre la main, écrire une lettre sont les gestes messagers de ton âme. Ils expriment que tu as fait la paix avec toi-même et avec l'autre. Sourire, tendre la main, écrire une lettre. Plan émotionnel, la véritable réconciliation est d'abord celle du cœur. Fais la paix dans ton cœur, puis avance vers l'autre de ton plein gré et en pleine conscience. Plan spirituel, tu accomplis un grand pas en te réconciliant, car ce n'est pas un acte facile. Accepter la réconciliation est preuve d'un ego positif. Plan spirituel, tu accomplis un grand pas en te réconciliant, car ce n'est pas un acte facile. Accepter la réconciliation est preuve d'un ego positif. Je pense aussi à cette messe donc, qui va être donnée demain pour moi et ma famille, vivants et morts. J'ose aller vers la réconciliation par un mot, par un geste. Je la crée en la faisant éclore dans ma pensée. Je l'accueille avec humilité quand elle vient vers moi. Je l'offre avec amour quand elle va vers l'autre. J'ose aller vers la réconciliation par un mot, par un geste. Je la crée en la faisant éclore dans ma pensée. Je l'accueille avec humilité quand elle vient vers moi. Je l'offre avec amour quand elle va vers l'autre. Donc aujourd'hui, 17 octobre 2020, rayon violet, j'invoque le rayon violet de la liberté et de la transformation divine en action dirigée par Maître Saint-Germain. Merci par avance Maître Saint-Germain. Et l'archange Zadkiel, merci archange Zadkiel par avance, rayon violet, rayon violet, rayon violet, avec l'aide de l'ange du jour Omabel, de l'archange Métatron, de l'archange Michael, de l'archange Raphaël, de l'archange Gabriel, de l'archange Sandalphon pour bien m'ancrer. Et de mon ange gardien, de mes anges. Rayon violet, rayon violet, rayon violet de la liberté et de la transcendance divine en action. Rayon violet, rayon violet, rayon violet de la liberté et de la transcendance divine en action. Descends en moi, descends en nous, entoure-nous, entre en moi, entre en nous et active en moi et en nous la puissance de la flamme violette sur toute la planète, tous les êtres vivants, tous les végétaux, les minéraux, les animaux. Rayon violet, rayon violet, rayon violet de la liberté et de la transcendance divine en action. Descends en moi, descends en nous, entoure-moi, entoure-nous, entre en moi, entre en nous et active en moi et en nous la puissance de la flamme violette afin de recevoir puis manifester le nettoyage cellulaire. La transmutation des énergies, ce qui est lourd en léger, ce qui est plomb en or, la diplomatie, la purification, le lâcher-prise, la transformation, le réconfort, la libération, en tout acte, pensée, parole, émotion, ressenti, écrit, relation avec autrui. Rayon violet, rayon violet, rayon violet, avec l'aide de Merlin et de Lady Amethyst, rayon violet, rayon violet, rayon violet. Archange Zadkiel, 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 Maître Saint-Germain. Avec l'aide de mes licornes, des licornes, de ma licorne, des licornes. Au nom des puissances, Elohim, des Kohanim, des archanges recteurs et des anges des rayons, je décrète l'activation durable du rayon violet pour mon développement personnel et mon ascension. Merci, merci, puisse ce rayon s'activer intensément chaque instant en moi, en nous, me protéger divinement. Nous protéger divinement et me guider, nous guider, qu'il en soit ainsi et cela est. Merci au nom du Père, c'est la solution du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, Amen. Alléluia. Par les mains de Marie, ma mère. Amen. Jésus, j'ai confiance en toi. J'invoque le rayon violet de la liberté et de la transformation divine en action.
dirigé par Maître Saint-Germain, l'archange Satiel, avec l'aide de Merlin, de Lydia Métis, de tous les anges archanges, de tous les êtres de lumière, de tous les maîtres ascensionnés, rayons violets de la liberté, de la transcendance divine en action, descend en moi, descend en nous, entoure moi, entoure nous. Entre en moi, entre en nous, active en moi et en nous la puissance de la flamme violette afin de recevoir puis manifester. En ce jour de Noël lune, avec l'aide des licornes, le nettoyage cellulaire, aussi dans mon nouveau lieu d'habitation, dans mon lieu présent d'habitation, dans le corps, les corps de mes chats, toutes les cellules, tous les atomes, transformation, transmutation, nettoyage cellulaire, transmutation des énergies, diplomatie, purification, lâcher prise, transformation, réconfort, libération totale, pensée, parole, émotion, ressenti, écrit, relation avec autrui. Au nom des puissances de l'Olympe, des Kohan, des archanges acteurs, des anges, des rayons. En ce jour de l'ange Oumuel, je décrète l'activation durable du rayon violet pour mon développement personnel et celui de tous et l'ascension, mon ascension, l'ascension collective et l'ascension de la Terre. Maître Saint-Germain, archange Latier, rayon violet. Puisse ce rayon s'activer intensément chaque instant en moi, en nous, me protéger divinement et me guider, nous guider qu'il en soit ainsi et cela est. Merci, amen, j'invoque le rayon violet de la liberté et de la transformation divine en action dirigée par Maître Saint-Germain et l'archange Zadkiel avec l'aide de Lady Améthyste et Merlin, rayon violet de la liberté et de la transcendance divine en action. Rayon violet, descends en moi, descends en nous, entoure-moi, entoure-nous, entre en moi, entre en nous et active en moi et en nous la puissance de la flamme violette afin de recevoir puis manifester. Le nettoyage cellulaire, la transmutation, la diplomatie, la purification, le lâcher prise, la transformation, le réconfort, la libération totale, pensée, parole, émotion, ressenti, écrit, relation avec autrui et dans tous les lieux de vie où je suis allé, où j'irai, ceux qui m'appartiennent, et où j'irai et aussi au temple d'Oubès, transmutation des énergies. Vous voyez Krishna, transformation des énergies, transmutation des énergies, diplomatie, purification, lâcher prise, mes chats, mes amis, mes proches. Mon village, présent, futur, transformation, réconfort, libération, tout à fait, pensée, parole, émotion, toute la terre, écrit, relation qu'autrui, au nom des puissances de l'Olympe, des Kohan, des archanges, acteurs, des anges, des rayons. En ce jour de nouvelle lune, je décrète l'activation durable du rayon violet pour mon développement personnel et le développement personnel de chacun et mon ascension et l'ascension collective, l'ascension de la terre, mère. Je t'aime, terre, mère. Puis ce rayon s'active intensément chaque instant en moi, en nous, me protéger, nous protéger divinement, et me guider, nous guider, qu'il en soit ainsi et cela est, au nom du Père Céleste, au puissant du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Je vous salue, Marie et Joseph, bienheureux époux. L'Esprit Saint repose sur vous. Vous êtes bénis entre toutes les familles, icône de la Sainte Trinité, et Jésus, accueilli par votre oui, nous révèle l'amour du Père, Sainte Marie et Saint Joseph, avec tous nos amis du ciel, priez pour nous, pauvres serviteurs, maintenant et à l'heure de la rencontre. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, par les mains de Marie, ma mère, par Saint Joseph, par l'Esprit Saint, amen, 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 merci. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour moi, priez pour nous, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, souvenez-vous de votre promesse de faire du bien sur la terre. Répandez, s'il vous plaît, merci avec abondance votre pluie de roses sur ceux qui vous invoquent. Et obtenez-nous de Dieu les grâces que nous attendons de sa bonté infinie. Merci, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Merci, merci, merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Amen. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Ô Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Quand on a été offensé ou déçu, le pardon est possible et souhaitable, mais personne ne dit qu'il est facile. Encore une fois, je pense à ma sœur, à ma mère, je pense que c'est désormais fait. Mon père, c'est désormais fait.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Merci. Et je vois une plume rose de l'amour divin que je n'avais encore jamais vue dans ce livre que j'utilise, le livre des anges. Merci, merci, merci. Cette plume rose de l'amour divin. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Lié à l'archange Samuel aussi. Merci, merci, merci. Marie, merci. Jésus, merci. Père Céleste, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Joseph, merci. Krishna, Radha, Prabhupada, merci. Amen, Alléluia, Hare Krishna. Je viens de voir le mot complément. Et complément, ça me fait penser à complément amoureux. Amour divin, donne-moi mon complément amoureux, s'il te plaît. Merci, au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Par les mains de Marie, ma mère, reine des anges, merci. Amen, Alléluia. Hare Krishna. Je ne trouve pas la prière à Sainte Rita que je fais chaque jour. Peut-être que l'intercession miraculeuse de Sainte Rita, c'est une, peut-être la première sainte à qui je demandais de l'aide il y a déjà bien longtemps. Bien, bien longtemps. Il y a, je pense, plus de 10 ans. Peut-être que tout ceci est réalisé. Je la retrouverai certainement, cette petite carte, avec la prière à Sainte Rita. Je rappelle que Myriam a aussi demandé une messe perpétuelle dans un lieu réservé à Sainte Rita à Nice pour moi. Chaque jour, en fait, une messe dite pour moi et pour d'autres. Chaque jour dans ce lieu à Nice. Merci, merci, merci Sainte Rita. Et je te prie et je te remercie grandement de toujours me protéger et de toujours être auprès de moi. Et je t'aime. Et je te remercie encore au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Grâce à toi, respect, amour divin pour toi, pour tous les saints et pour tous les anges et archanges et pour toute la divinité. Merci Père Céleste, Jésus, Marie, Joseph, Krishna, Radha, toute la divinité, les Bouddhas, les licornes, les maîtres de lumière. Merci. Amen. Que cette journée soit grande. Je vais appeler voisin Marie. À tout de suite. À bientôt. Merci. Amen.